Au-delà de toute chose, c'est ton cœur que Dieu veut. C'est ton cœur que Dieu veut. C'est ton cœur que Dieu veut. En tout temps, ce sera ton cœur. En tout temps. Tout temps. En tout temps. Même dernière, pour revenir juste comme ça, qui n'était pas là, on va continuer sur la même lancée, ce qu'on avait vu. Et tu verras. On avait dit que. Je te dis, par la foi, tu peux tout, hein, par la foi. Il y a, bien sûr, Dieu va. Tu sais, c'est pour ça que quand tu es une entreprise, quand tu es dans une démarche de foi, il ne faut pas écouter tout n'importe quoi. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui se décroît. Non. Il faut être dans la force parce que il faut savoir une chose. Dieu a un couloir pour chaque personne. Ça, c'est clair. Et moi, ce matin, je suis là pour te le dire, pour te le communiquer. Dieu a un couloir. Il ne faut pas baisser les bras. On arrive à un stade aujourd'hui, les tiens sont là, ils baissent les bras, machin, ça go. Eh ouais, dis-moi comment c'est là-bas. Comment... Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Nous avons un grand Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus le temps, mais rien du tout. On avance. On sait que dans sa force, le Seigneur sera là pour nous restaurer, pour nous faire du bien en tout temps. En tout temps. Voilà. En tout temps. On va reprendre Proverbe 25.2. Je vais faire comprendre. Proverbe 25.2. Je vais juste noter. Proverbe 25.2. Proverbe 25.2. Et le Seigneur va surprendre les enfants. Proverbe 25.2. On avait dit que il faut comprendre la gloire de Dieu. En fait, le trésor de Dieu, si tu veux, le trésor, son trésor, tu vas comprendre. Ce matin encore, je me donnais de comprendre plusieurs choses. La gloire de Dieu, 25.2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. On comprend bien. Cacher les choses, tu vois. Tu vas voir que la semaine dernière, il nous a dit ça d'une manière, tu verras qu'aujourd'hui, tu le dis encore autrement. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, et toi, en Christ, tu es roi. Parle-toi. Tu es un prince. Il dit, je ferai de vous des princes. Et un roi ne peut faire que des petits rois. Un roi ne va pas faire des chèvres ou des brebis, mais un roi fait des rois. Voilà. Mais oui, toi, tu as des enfants, tu as fait un homme. Tu n'as pas fait un mammouth. Tu as fait un homme, un être, voilà. Tu as fait un homme, voilà. Donc, tu vois, la gloire des rois, c'est de cacher de Dieu, c'est de cacher les choses. Il cache les choses là. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. On a vu, tu vois, pour bien saisir tout ça. Et la gloire des rois, c'est de sonder, donc de chercher. De sonder, de chercher des choses. Donc on a vu que... On a vu que c'était chercher. Chercher. Pour certains, ils ont cherché. Pour d'autres versions, on a sondé. On a vu que c'était chercher égale à sonder. Sonder. Qui égale à sonder. Tu vois, tu sondes. Examiner. Bien comprendre. Et tu comprendras pourquoi le Seigneur, l'apôtre Paul disait que travailler à votre salut. Faut pas dormir. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité ou un esprit qui nous fait dormir. L'esprit de feu, l'esprit qui te réveille. Ah oui? Fouiller! C'est ça. C'est ça ta gloire. Fouiller. Tu vas voir quoi? Je vais te dire quoi, mais après. Et la semaine encore, dis au futur, creuser! C'est ça ta gloire. Creuser! C'est ça, creuser. En vue de quoi? Alors, on va voir. Tu cherches quoi? Tu sondes quoi? Tu examines quoi? Tu fouilles quoi? Tu creuses quoi? Et on va voir que le but, qu'est-ce que ça entraîne quoi? Ça entraîne posséder. Acquérir. Voilà. C'est pour ça. Chercher, sonder, examiner, fouiller, creuser, posséder. Pourquoi? Tu creuses pourquoi? Pour trouver le trésor, le posséder
et l'acquérir. Pourquoi? Pour te battre avec. Pour pouvoir te défendre avec. C'est pour ça que tu comprends une chose. Regarde. La joie, tout ça, le trésor, la joie, la paix. Tout ça, en fait, c'est disponible. C'est, en fait, tu vois, c'est caché. Mais c'est à toi d'aller chercher par la foi, par la prière. Voilà pourquoi le Seigneur dit, bon, on va aller chercher comment? Bon, c'est tout ça, hein. Moi, il te, c'est par la foi. Par, c'est pour ça que tu comprends. Le Seigneur dit bien, c'est un problème qu'il a depuis longtemps. La gloire de Dieu, c'est de cacher. Les choses sont là, mais je couvre. Et toi, par la foi, tu dois aller chercher. Voilà pourquoi la Bible dit, qu'on avait lu la dernière fois, dans, ça corrobore, ça confirme. Dans Matthieu 7, 12, tu vois, Matthieu 7, 12, le Seigneur disait quoi? Pas 7, 12, pardon, 7, 11. Matthieu 7, à partir du verset 7 à 11. Le Seigneur dit quoi? Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez en nous et on vous ouvrira. Voilà. Moi, j'aime ces choses parce que je dis, je connais. Si on avait appris ça, mais là, je me rends compte que mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Tu apprends encore à comprendre les choses autrement, autrement. Le Seigneur te les explique autrement, 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 tu vois. Mais autrement, tu vois là, tu étais attristé parce que il dit, cherche, sonde, creuse, demande la joie et elle te sera donnée. Voilà, cherche, prie, comment, intercède. Chante, loue, célèbre. Parce que je sieds dans la louange. Il te donne. C'est pour ça que Jésus dit tout est accompli. Tout est accompli. Il t'a tout offert. Mais il te revient à toi de faire un petit effort. Le problème, c'est qu'on ne veut plus faire d'effort. C'est-à-dire, si hier c'était tellement bien, c'était tangible, peut-être dimanche dernier ou bien la semaine. Quand on a une semaine marquante, on dit Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Il ne t'a pas abandonné. Ce qu'il te demande, c'est de chercher, c'est de fouiller. Tu sais, moi, je suis désolé, je suis dans une position où je suis dans le chercher aujourd'hui. Je cherche. Il me dit en moi, puisque tu m'as rencontré, cherche-moi, adore-moi, célèbre-moi. Aspire, mets-toi à genoux, prie-moi. Il faut des femmes de prière, il faut des hommes de prière, des gens qui intercèdent. Ah oui, des gens qui savent qu'en intercédant, en cherchant, Dieu est fidèle et Dieu répondra. Ce sont ces genres de personnes qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Dieu fait des miracles tout le temps, tout le temps. Mais tout le temps, même dans ma vie, c'est tout le temps. Mais parfois, comme c'était même, tu entends un gros, gros miracle. Parfois, tu te dis, mais j'ai un furoncle dans le pied, j'ai un abcès. Je veux d'abord que ça soit guéri pour démontrer que Dieu est vivant. Non, tu mens. Dieu est d'abord venu pour ton âme. Après, il accomplit ce qu'il veut dans ta chair. Ah oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des gens, comme on parle des 10 lépreux. Il y en a qui ont été guéris, d'autres sont venus dire merci au Seigneur, d'autres ont dit, on est guéri, on s'en moque, on fait notre vie. Voilà, tu vois, le Seigneur, il sait ça. Alors, ce n'est pas tous les 4 secondes qu'il va prendre soin de ta chair. Il dit, non, je vais prendre soin de ton esprit, parce que je sais que ton esprit, dans ton esprit se trouve toute chose. Dans ton esprit se trouve toute chose. C'est dans ton esprit que ça se passe. Donc il te dit, cherche, sonde, tu n'en vois pas, examine. Tu as demandé quelque chose, Seigneur, continue à célébrer. Mais les gens comme nous, où on dit parfois, Seigneur, fais comme ça pour miser, fais comme ça, mais si on commence à s'arrêter sur nous, ou s'arrêter sur comment Dieu fait au compte-goutte, mais on se décourage, mais non, on n'est pas. Et puis je suis qui pour me décourager? Je ne suis pas toqué, je ne suis pas fou, moi. Une seule parole de Yeshua à Machia, je disparais. Donc je n'ai rien à dire. J'accepte, je m'humilie et je cherche. Voilà, j'intercède. Tu es qui? Je suis qui? Même en étant noir, blanc, chinois, car tu es, je suis qui? Je ne suis rien. Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis absolument rien du tout. Donc je dois, il m'a dit, cherche. Il cherche. À celui qui cherche, on donnera. À celui qui frappe, on ouvrira. Quand tu suis la continuité du verset. À celui qui frappe, on ouvrira. Tu es malade, tu frappes. Il y a des problèmes, tu frappes. Il y a le chômage, tu frappes. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Et ton Dieu t'ouvrira la porte. Il a dit, le juste ne mendiera pas son pain. On doit être dans, les chrétiens doivent être dans la foi.
Trop de personnes. Ils ont été. Parfois, j'ai pas dans l'église tout ça. Il y a des choses bizarres qui se sont passées au machin. Au lieu de pleurer, au lieu d'intercéder. Mais ils sont là. Ouais, chez toi, c'est comment? Chez toi, c'est mieux. Non, mais non! Tu intercèdes, tu cherches! Tu célèbres Dieu! Tu cries à Dieu! Mais nous, on a plus ce temps-là. Mais non! Oh. Tu cherches quelque chose de meilleur. Après, quand le meilleur, on te le présentera, après, tu entendras, tu commences à pleurer. Tu vas dire, oh, Seigneur, c'est quoi? Et après, il y en a comme ça, ils ont abandonné la foi. Ils ont laissé tomber. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, il faut que les chrétiens, aujourd'hui, intercèdent. Soit des gens qui prient aujourd'hui. Des gens qui célèbrent. Et comme ça, comme on a dit la semaine dernière, nos maisons ne seront pas des maisons qu'on s'édifie parce qu'il y a eu ça, ça, ça. OK, mais ce ne sera pas des maisons tous les quatre secondes à écouter des épisodes, des églisettes. À ce qui se passe dans les églises. La maison, ce n'est pas que ça. La maison, ce n'est pas une caverne de voleurs. Tu pries, tu intercèdes. Mais tu les 4 secondes. Ah, tu as vu comment? Ah, tu as vu comment j'ai assommé de Dieu? Ah, tu as vu comment j'ai là-bas? Ah, tu as vu comment? Oh, t'as où là-là? Mais intercédez en la faveur des saints. Intercédez. Vous êtes des saints. Priez pour les saints. Mettez les genoux par terre. Seigneur, donne-nous des hommes solides, Seigneur. Des hommes, Seigneur, qui s'éloignent de l'iniquité. Des hommes qui s'éloignent du péché. Oui, Seigneur, nous sommes dans la fin des temps. On a besoin d'un modèle. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prier comme ça. Ah oui, qu'est-ce que tu crois? Parce que si demain, après-demain, quelqu'un, soi-disant, te conduit, ça divorce par là, ça marche, tout à gauche, à droite. Mais toi, frère, tu auras quel mariage représentera quoi pour toi? Ce sera quelque chose de dénaturé et tu diras à quoi bon ce mariage. Mais béni soit le nom du Seigneur, c'est qu'il y en a qui ont saisi, ils comprennent la grandeur du mariage. Et ils savent que de leur témoignage, Dieu touche à d'autres personnes. Et leur vie en mariage sera bénie. Mais non? Parce que les chrétiens m'ont dit, mais même pour qu'ils soient, nous on est déjà, on le sait déjà, comme il y a plein qui n'est pas dans le Seigneur qui dit ça. Moi je suis déjà réuni. Non, mais Dieu t'a demandé de faire quelque chose pour y montrer ton amour. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Dans ces cas-là, pourquoi certains ils se paxent? Ils disent que bon, hein, on est déjà unis. Parce qu'on veut avoir les faveurs du paxage. C'est-à-dire avoir la même fiche d'impôt et tout ça. Donc c'est l'argent, c'est Dieu maman là-dedans. Non, tu te maries, puis voilà, c'est tout. Les gens ne vont pas pleurer et tout ça. Il faut arrêter, il faut se lever. Ne pas avoir, peu importe qu'une histoire serait bizarre, où on ne sait ni tête ni queue, comment ça commence. Mais qu'est-ce, mais tu vas trop réfléchir, trop penser, tu ne vas rien comprendre et tu vas t'exploser la tête avec ça. Voilà. Tu dois comprendre, entendre ce que Dieu veut de toi, ce qu'il veut de ta vie. Voilà. Un cœur est compliqué à gérer. Pourquoi tu cherches? Tu cherches quoi? Cherche ce qu'il faut pour ta vie. Je n'ai plus le temps, moi, dans les causeries bizarres. Non, non, on n'a plus le temps. Parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour le Seigneur, parce que le Seigneur attend de nous que nous soyons ses modèles pour lui. Soyons ses modèles-là. Écoute, ses modèles. Il faut que nous soyons ces modèles. Soyons ces modèles-là. Il te dit le Seigneur. Le Seigneur, il te dit dans sa parole. Donc tu vois, il faut chercher, examiner. Avec foi. Tu dois chercher en permanence. Tu dois chercher, chercher. En cherchant, tu trouveras. Parce que tu intercèdes, parce que tu célèbres Dieu, parce que tu le célèbres, parce que tu veux de lui, parce que réellement tu aspires à ce qu'il change ta vie, ben il le fera le Seigneur. Proverbe 28, 13. Le Seigneur dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ne prospère point. Tu vois? Proverbe 28, 13. Parfois, on dit, ouais, mais c'est des bonnes paroles, c'est des versets, ça s'arrête là, et je continue ma vie. Non. Parfois, on discute avec Alexandra, et c'est vrai, c'est sérieux. Parfois, on croit, le Dieu qu'on sert là, on pense se connaître, mais on ne le connaît pas, en fait. Parce que, en fait, si tu veux, je peux arriver là ce matin, je fais la fête avec toi. Mais il se trouve que dans la semaine, je fais n'importe quoi. Dieu n'est pas content. Tu peux être assis, là tu adores, tu es content, tu loues, mais la semaine tu fais n'importe quoi, tu n'es pas content. C'est-à-dire qu'en fait, et Dieu veut que tu lui confies ton cœur.
Donc, il ne faut pas cacher cette transgression. Il faut tout dire à Dieu. Pourquoi est-ce que, quand on demande, on veut une chose, on dit, Seigneur, je veux ci, je veux ça. Mais, tu sais, je peux savoir qu'il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Je ne le dis pas. Je cache mes transgressions. Mais lui me voit. Ils sont dans les cœurs et les reins. En fait, tu peux me cacher des choses, mais tu ne peux pas cacher à Dieu. Et cacher, tu vois, alors je vais te dire, c'est là où tu vois ton levier, tu vois à quel niveau de communion tu es avec le Seigneur. Quand tu penses que parce que ton frère, ta soeur ou ton pasteur, tout ça, ne sait pas ce que tu fais dans la semaine, tu dis, bon, je ne lui dis pas. Dieu voit mon cœur, il connaît tout, mais à Dieu aussi, je ne parle pas. C'est-à-dire que tu caches tes transgressions. Il faut comprendre, les choses sont claires. Donc, il faut, quand tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ta vie, il faut parler à Dieu sincèrement. 28:13, il dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Tu vois, dans notre perversion, il ne prospérera pas. Donc, c'est ça. Prospérer, ça veut dire quoi? En hébreu, le terme hébreu ou grec, hein, c'est réussir, faire des progrès. Ce n'est pas accumuler des dollars, des euros. Non, ce n'est pas ça. C'est réussir, faire des progrès. Parce que, en fait, c'est comme si, en fait, tu es dans un truc qui n'est pas clair. Tu gardes la chose en toi. Mais comment, c'est-à-dire qu'il y a un poids qui est en toi, qu'il soit bon ou mauvais. Le diable peut te faire de l'orgueil avec tout ça, mais tu sais que ce n'est pas bon. Mais en fait, que tu veux ou non, si tu es sincère, tu sais que tu es bloqué dans ta prière, tu es bloqué dans ta loi, parce qu'il y a quelque chose qui te condamne dans ton cœur. Dieu dit, dépose-la, laisse-la. Donne-moi la chose. Alléluia. Donne-moi la chose. Oh! Donne-moi, tu sais, nous, on croit au Seigneur. On croit que Dieu, dans son amour, tu sais, tu peux ne pas croire en moi. Tu peux ne pas espérer. Moi, je crois et je sais que Dieu fera. J'ai espoir que Dieu fera le grand. Écoute, tu peux même m'abandonner. C'est pas grave, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dans 5-10 ans, Dieu, c'est une question de temps avec Dieu. C'est une question de temps pour te montrer réellement ce qu'il y avait dans ton cœur pour te montrer ce qu'il voulait faire avec toi. Donc, n'abandonne pas les signaux. C'est une question de temps. La personne m'a dit, mais non, on connaît, mais il n'a rien, il n'a pas un grave, mais Dieu. Ah, c'est une question de temps, c'est une question de taille avec Dieu. Toi, moi j'ai décidé au fur et à mesure un peu plus de me cacher un peu plus avec le Seigneur. Mais me cacher, pas fuir, non, me cacher un peu plus. C'est-à-dire attendre de lui vivre sa présence, vivre sa réalité. Et lui-même, te montrer aux gens. Sincère, regarde. Quand parfois il t'arrive, non, il faut être vrai avec Dieu. Parfois, tu peux avoir fait, tu peux dire on m'a attaqué, on m'a agressé. Parfois, tu sais, Dieu, il dit non, on arrête. Il te fait le film de ta vie, puisqu'il se rappelle, il sonde les cœurs et les reins. Il voit ton cœur, il dit bon, d'accord, on t'a attaqué, d'accord. Rappelle-toi, ça a commencé comment? Tu as nourri une pensée. Oui, Seigneur, amen. Ensuite, tu as fait, mais après, tu as dit alors, je ne veux pas. Mais après, tu as nourri. Et après, je ne veux pas. Insistant, tu as dit oui. D'accord, Seigneur, on m'a mis la pression. Mais tu as le pouvoir de dire non. Parce que je vis en toi. C'est pour ça qu'il faut que les chrétiens, gentiment, pour vous le dire, comprennent leur identité. Si tu as compris ton identité que tu as, d'accord, on a chacun des rangs. Mais si tu as compris que tu as pris l'esprit en toi, que tu sois femme ou homme, a le pouvoir de te pousser à ne pas accepter ce qu'on voulait te faire, qui ne donne pas gloire au Seigneur. Voilà. C'est qu'on ne comprend pas qui on est. C'est comme toi, ce que tu disais pour ton responsable. Ton responsable ne veut pas dire que je ne dois pas prier pour toi dans le secret. Après, maintenant, tu ne vas pas prier en lui. J'ai prié pour vous, monsieur. Non, il dit, vos histoires de Dieu, là, mais calmez-vous, là, vous êtes malade, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te comprends pas. Il va te dire comme Paul. Mais regarde, tu as des raisons, il y a un problème, qu'est-ce qui t'arrive avec toi? Cool, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, il dira ça. Eh oui. Et là, tu vas te trouver bien marrant. Mais non, tu dois dire simplement, tu dois prier dans ton cœur. Et après, si je te donne une parole de sagesse, tu dis, il faut commencer à déminer juste tout doucement. C'est pas parce qu'une histoire est violente qu'il faut réagir violemment. Non, sois plus malin. Tu es un agneau, lui c'est un serpent. Et tu dois travailler selon l'agneau. Et quand le Seigneur veut que tu travailles comme le lion de Juda, là, il permettra la chose. Dire les choses entre quatre yeux. Mais il ne faut pas débuter comme ça. Parce que sinon, le cœur n'est pas prêt et le cœur va te rembourser ce que tu lui donnes. Tu donnes colère, je donne colère. Tu donnes colère, tu donnes amour.
J'essaie de réguler un peu parce qu'on m'a dit autre chose. Il ne faut pas alimenter, c'est ça, je viens comme les vampires, il ne faut pas alimenter les vampires en fait. J'ai donné une part de sang, je ne vais pas te redonner mon sang, mais mon épaule a croqué parce que sinon tu auras de la force et tu vas continuer à me manger. Non, je vais te priver de nourriture, pas de colère et autre chose et je vais te gagner. C'est ça les techniques. C'est comme ça que ça se passe. Il faut faire ça. Et comme ça que tu es béni. C'est pour ça que cette histoire de bénédiction, on a dit hier, M. Alexandra, le diable rôde. Mais tout est marqué dans la parole. Il est rôde comme un lion. Il te dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Il n'a pas demandé de veiller plus sur la sainte scène. Il peut m'arriver qu'un jour, parce qu'on n'est plus pour le temps, on dit, bon, on fera dimanche prochain. Et alors, on n'a pas péché. Non, il faut arrêter. Eh oui, c'est pas ça qui va te sauver, c'est ton cœur. Moi, je vois des gens, ils ont pris. Ça n'a pas empêché que vous, ils plongent dans les choses. Ah oui, c'est clair. Je connais des gens, c'est pas la chose que tu mets sur la tête, voilà, tu pries, qui va te protéger, qu'on soit clair. Tu obéis à ce que Dieu te demande de faire, mais qu'on soit clair. C'est pas ça qui va te sanctifier. Non. Quand tu vois les musulmans, ils mettent tout ça. Et quand tu vois la musique qu'ils écoutent dans les voitures, c'est que du monde qui est là. Voilà, il faut comprendre les choses. C'est pour ça qu'il faut veiller sur le cœur, c'est important. C'est ton cœur qu'il faut veiller. Il faut veiller sur ton cœur. Parce qu'il se trouve que si je prends ça, les gens ne comprennent pas. Le Dieu qu'on sert, ce n'est pas n'importe qui. Si je prends ça dans de mauvaises conditions, avec toutes sortes de rapines dans mon cœur, ça va me juger tôt ou tard. Un jour ou l'autre, elle va me juger. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça, même Paul le dit, beaucoup le prennent sans discerner et s'attirent un jugement contre eux. Parce qu'ils ne reconnaissent pas en ça le sacrifice. Ils salissent, ils souillent mon sacrifice. C'est ça le sens de la Sainte-Seine. Ils le souillent. Ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi Dieu dit, quand tu le prends, il ne te refuse pas de prendre, mais examine-toi. S'il y a quelque chose, tu dis, Seigneur, voilà. Et puis tu prends normalement, c'est tout. Eh oui, mais après, quand tu pars chez toi, ne recommence pas la chose. Il y en a, ils déposent ça devant l'hôtel, la bêtise, et ils sortent, ils vont refaire la même chose. Ils disent, mais non, il y a un problème. Comprends? Eh oui, il faut comprendre la connaissance, c'est sérieux. Je n'ai plus envie d'être dans une époque où je rabâche pour rabâcher. Honnêtement, vous savez quoi? Je prie Dieu. Je n'arrête pas que dans chaque église qu'il y ait des gens. C'est pour ça que le Seigneur, il a donné à certains d'être docteur, ceci, cela, pour parfaire, pour enseigner le peuple de Dieu, afin qu'il amène à la perfection. On n'a plus envie de mettre des choses, mettre des ceci pour faire. Non! C'est comme si je suis chez moi. Je peux marcher sans habit si j'ai envie, ça c'est chez moi. Mais quand je sors, je dois un minimum me vêtir. Parce que l'autre qui me regarde dehors, il n'a pas la même foi que moi. Tu dis oui, mais je ne tente personne. Moi, je suis dans la foi. Dieu à moi. Adam et Ève, ils étaient comment? Oui. Mais Dieu te dit, dans le monde, tu ne connais pas le cœur de l'autre personne. Donc, pour ne pas être une occasion de chute pour les gens, Dieu dit, mets-toi, descends-moi. Les gens devaient comprendre les choses simplement. C'est là que tu vois qu'il y a une mais aujourd'hui, tu es obligé d'aller à l'île au nord pour expliquer les choses, pour faire comprendre que c'est comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Mais c'est là que tu vois l'esprit de manipulation qu'a le diable. Parfois, tu vas penser aussi que oui, bon, je suis nickel, je suis bien habillé. Et Dieu dit non, c'est pas tout, c'est le cœur. Ah oui, mais c'est clair. Ah oui, là, il faut être clair avec ça. Il faut comprendre que c'est le cœur. Et si tu as compris que c'est ton cœur, tu peux chercher sans problème, tu peux sonder, tu peux examiner les voies de Dieu, tu peux fouiller, tu peux creuser. C'est pour ça que tu comprends que même quand Dieu t'appelle dans un ministère ou n'importe quoi, il faut travailler, il faut chercher, il faut fouiller. Parfois, il va m'amener à chercher des choses. C'est pour, je n'ai pas le choix, pour ma connaissance, pour comprendre des choses. Parce que sinon, tu arrives là, tu parles, tu ne dis rien. Et il met des graviers dans ta bouche et il n'y a plus de discussion. Tu dois chercher, sonder, examiner, fouiller. Tu dois veiller sur ton cœur. Tu peux être bon aujourd'hui, tu peux chasser les démons, faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne veilles pas au fruit de ton cœur, tu te fais avoir. En fait, c'est les... Voici, si vous voulez, c'est les fruits
les fruits que produit ton cœur. C'est ça qui fait de toi la personne que tu es. Pour être, les gens cherchent, pour être une femme vertueuse. Et le roi, il dit, bon, ça c'est vraiment, la vie ne fait pas le moine, effectivement, mais ça aide, bon, ça aide. Ça aide parce que tu vas rentrer là, tu es fringué bien, costard, bien, robe, machin, bien nickel. On dit, ah, ça c'est un homme vertueux, une femme vertueuse. Mais Dieu dit, oui, c'est ce que vous avez dit, le moine, il dit non. Parce que moi, je sens des cœurs et je ne sens pas les vêtements. Les enfants de la culture, moi je sens des cœurs et là. Et c'est pour ça que comme tu sais que Dieu regarde ton cœur, même quand une colère rentrerait tout de suite, tu dois dire, Seigneur, tu as la joie, mais cette chose, tu me la. Elle est en fait, tu veux que j'aille la chercher par la foi. Si tu t'arrêtes à ta première conversion au départ en disant, j'avais tellement une joie quand j'ai reçu Dieu, quand j'ai plongé dans les eaux du baptême, il y a tellement une gloire qui m'a... Oui, mais maintenant que tu es en Christ, maintenant tu dois, la vie que tu as reçue, tu dois maintenant la développer. C'est comme si en fait c'était un négatif qu'on avait pris. On a fait cucu. Et c'est vrai que moi c'était un plus beau jour quand j'ai plongé dans les eaux du baptême. J'étais heureux. Ils ont eu des gens, ils ont plongé, ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ça, c'était le négatif, si tu veux. Nouveauté de vie. Il y a pas mal de gens, même tu vois des témoignages sur YouTube. Quand ils sortent, ils sont heureux. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'après, il va falloir chercher, il va falloir sonder pour pouvoir épouser la vie de Christ. C'est après que ça devient. C'est pas compliqué. C'est que Dieu. On va voir qui c'est qui nous aide. On va voir qui c'est qui nous aide. Regarde, parce que tu penses que tu es seul dans cette histoire, c'est pour ça qu'on dit, on pense que c'est compliqué, on pense que c'est dur. Oui, non, mais on va pas dire que ce n'est pas un peu de temps en temps compliqué. Mais, je vais te montrer quelque chose, regarde. C'est que Dieu fera ce qu'il a fait. Romains 8, 26, on peut pas... Il faut aimer la parole, il faut aimer la connaissance, il faut aimer la parole. Il faut l'aimer la parole. Moi, j'aime la parole. Et honnêtement... Je me suis dans une attitude aujourd'hui où je dis, oh, on est là, on dit, Seigneur, nous sommes là. Attire à toi, attire, Seigneur, grève dans ton église, permets, Seigneur, que ton évangile se répande. Oui, on veut vraiment ça. On ne veut pas autre chose. Enfin, autre chose, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas envie. Ça ne nous intéresse pas. Romains 8, 26. Si quelqu'un veut lire. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'esprit. Voilà. Vas-y, continue. Or, nous savons aussi que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son propos avec Dieu. Voilà. Donc, tu vois, le Seigneur dit clairement, 8, 26, il te dit, de même, l'esprit aussi nous vient, quoi, en aide. Frère, je ne sais pas si vous comprenez, frère, sœur. De même, l'Esprit nous vient aussi en aide. Il nous vient aussi en aide. La connaissance est bonne. Quand le Seigneur ouvre comme ça, il détend toutes choses, ça te rend heureux. Par la foi, on n'aide pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que parfois tu peux connaître certaines choses dans le monde que tu ne t'attends pas ici à voir ou entendre, écouter ce que tu peux entendre ailleurs ou ce que tu as entendu. C'est le Seigneur, c'est comme ça qu'il fait. Hein? 8, 26, regarde. C'est fort ça. Par le Saint-Esprit, qui est notre aide. C'est pour ça que vraiment, parfois quand tu vois, bon, on n'est pas meilleur, on n'est pas hyper fort, mais quand tu vois que parfois les chrétiens. On est là, on pleure pour pleurer et on oublie. Parfois, on prend tellement puce sur nos frères et nos sœurs. C'est quelque chose. Et quand nos frères et nos sœurs nous déçoivent, on se met à pleurer. Parce qu'on a résumé le monde chrétien à leur niveau. Il faut arrêter. C'est pas le Saint-Esprit. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Voilà. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Voilà pourquoi il faut être animé par l'Esprit
pour que quand tu pries, c'est lui qui te communique ce qu'il faut dire. Quand tu chantes, quand tu es dans une situation compliquée, difficile, hallelujah, c'est lui qui te communique ce qu'il faut dire. Parce qu'au moment où tu dirais ça, c'est ce qui est bon pour ton âme. C'est ce qui va créer un impact dans ton âme. Eh oui! Donc, tu vois, pour toi qui n'étais pas là, c'est Romains 8, 26. Enfin, qui s'est juste absenté. 8, 26. Le Saint-Esprit nous vient en aide. C'est lui qui nous vient en aide. Pour faire quoi, frère? Pour chercher, sonder, examiner, fouiller. Le proverbe a dit ses affaires. Mais tu vas dire, Seigneur, mais quand même, c'est dur, Seigneur. C'est dur, papa. On m'a mis en colère, papa. On m'a énervé. Mon mari, ma femme m'a choqué. Comment on fait, Seigneur? Il dit, comment? Tu me dis, Seigneur, mais je veux chercher, oui, Seigneur, mais je n'ai pas la volonté, je n'ai pas la capacité, je ne peux pas y arriver. C'est Dieu, Seigneur, je suis sous le poids de mes pensées, le poids du dégoût de la vie. Comment faire? Comment chercher, Seigneur? Oui, c'est amen, tu as tout dit. Oui, Seigneur, tu as dit, il faut chercher, sonder. Oui, Seigneur, examiner, fouiller. D'accord, je suis d'accord avec toi. Tu as dit, on creuse, on va posséder, on va acquérir la paix, la joie. Mais comment on fait ça, Seigneur? Il dit, de même aussi, l'Esprit nous vient en aide, le Saint-Esprit, dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, il faut s'arrêter sur chaque mot, comprendre. L'Esprit lui-même fait quoi? Il intercède. C'est important tout ça. L'Esprit intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent pas exprimer. Parfois, tu peux dire, oui, mais je suis tellement mal. J'ai entendu des choses tellement bizarres. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas comment faire pour me sortir de ce guépier, de ce piège. Le Saint-Esprit. La question, c'est, Dieu dit, par la nouvelle naissance, il a été scellé dans nos cœurs. Est-ce que tu crois qu'il est en toi? Si tu crois qu'il est en toi, fais-lui plaisir. Ne l'attriste pas. Parce qu'en ne l'attristant pas, il va t'aider à chercher le bonheur que tu veux. Il va t'aider à creuser, à fouiller, à examiner la paix que tu désires. La joie que tu désires. Vous savez quoi? Si on est fidèle, on est sincère et on fera tout pour l'aide, le diable ne nous mettra pas de barrière, ne nous fera pas. Non. On va structurer, faire ce qu'il y a à faire, mais on y arrivera. Parce que Dieu est vivant, Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas t'animer comme ça. Ce n'est pas possible. S'il n'est pas derrière, c'est non. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, Seigneur, mais tout ce que tu me donnes de vivre, de faire, je me dis, mais non, Seigneur, il n'y a que toi qui puisses faire ça. Il n'y a que toi. Ah oui? Dieu veut que des hommes et des femmes fidèles. Ne t'arrête pas sur celui qui dira, oui, mais on n'est que 4, 5, 6, 10. Ça, c'est son problème. Dieu a commencé comme ça et Dieu a rempli. Parce que les gens avaient saisi par les yeux de l'esprit, par les yeux, par le regard. Il y avait vu, loin. Moi, je ne suis pas attiré par les foules, ça ne m'intéresse pas. Au contraire, quand c'est comme ça, j'en profite pour chercher Dieu. Intensément. Parce que quand un jour Dieu te donnera, Dieu fera peut-être des fautes. Si tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas gérer, on va tout casser. Donc, il faut que tu sois prêt. Donc, laisse Dieu te préparer. Parfois, il y a des gens qui ont demandé, Seigneur, je veux que tu fais de moi une femme de foi, fais de moi une femme vertueuse, fais de moi un homme de foi. Mais quand Dieu a créé les occasions pour que tu puisses saisir, tu n'as pas saisi la saison de Dieu. Tu n'as pas saisi. Moi, j'ai plus le temps d'écouter. Non, honnêtement, j'ai plus le temps. Tu n'as pas saisi le temps de Dieu. Tu n'as pas saisi la saison. Tu dis, Seigneur, je veux que ma maison soit comme ça. Je veux que je sois transformé. Je veux que mon moi et ma mari, nous vivions dans le bonheur. Mais tu refuses de saisir la saison de Dieu. Parfois, Dieu m'a fait passer par le moment difficile. Pourquoi? Parce qu'il voulait m'amener quelque part. Ça pouvait être la maladie, ça pouvait être des choses. Mais c'est pour m'amener quelque part. Ce n'était pas pour me tuer. Et quand il t'amène quelque part, tu dis, Seigneur, waouh, c'est merveilleux. Mais acceptons de souffrir au départ.
Acceptons de parfois de passer par des choses qui ne nous sont pas confortables pour le moment. Acceptons ça. Il faut accepter. Et en l'acceptant, tu vois Dieu se glorifier. Tu vois Dieu agir dans ta vie. Parce que tu penses que c'est parce que tu vas te chatouiller avec 40 000 personnes autour de toi que la foi va être forte, va monter dans ses faux. Parce que tu peux être dans une bonne chose ou dans une cabane de voleurs. Ah oui. C'est ton cœur qui attire la faveur de Dieu. Et parce que tu es sincère, tu es fidèle, Dieu attire à toi parce qu'il sait que tu ne vas pas te laisser séduire par les gens, mais tu vas pousser les gens à voir la communion que tu dis avoir. C'est ça. C'est merveilleux ça. Il intercède. On a dit, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à chercher, à trouver. Parce que c'est facile de lire les proverbes. On dit, il faut chercher, d'accord. Je cherche. Mais on m'a mis tellement en colère. Mon responsable m'a tellement déchiré la tête. Seigneur, tu me dis de chercher. Comment on fait ça, Seigneur? Il m'a énervé. Il a failli même prendre un couteau. Tu me demandes de chercher. Comment? Il dit, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Faiblesse. Dieu dit, quand on se met en colère, c'est une faiblesse. Quand on se rebelle, c'est une faiblesse. Quand on aime, quand on résiste, quand on se méfie, c'est une force. C'est ça la force de l'esprit. La force de la chair, c'est s'énerver, c'est se bagarrer. Ça, c'est la force de la chair. Mais la force de l'esprit, c'est justement de pouvoir aimer, de pouvoir se maîtriser, de pouvoir être ferme. C'est ça la force de l'esprit. C'est deux êtres différents. Donc, quand tu es dans la chair, tu peux voir dans le sens où est, qu'est-ce qui se passe? C'est pas les amours, comme on en a parlé ce matin. Mon entreprise, mon ceci, ça, c'est la chair. Tu dis maintenant, Seigneur, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans une tente. La tente est amorcée à toutes sortes de bêtises et mon âme est séduite par ce que je vois, par les faux machins, par les choses bizarres. Seigneur, c'est ma chair, mais j'ai envie de penser selon l'esprit. Communique-moi tes pensées et donne-moi de voir avec tous ceux qui travaillent avec moi comme des âmes que tu aimes et que tu veux sauver. Tu dois prier à Dieu à ses épaules. Parfois, même s'ils s'en vont et que tu as eu de bons rapports avec eux, tu graves, Seigneur. Tu n'as rien. C'est comme ça que tu aimes quelqu'un. Ce n'est pas en donnant un cadeau de fin de contrat, tout ça. C'est donner un truc, tu dis, je sais que ça te servira pour la vie. Parce que si tu as apprécié mon comportement, c'est parce qu'il y avait un qui vivait en moi et je veux que tu me fasses. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu crois? C'est ça qu'il faut donner. C'est ça qu'il faut donner aux gens. Le bon parfum de Christ. Le parfum de Christ. Donnez le parfum de Dieu. Le parfum de Dieu. Il faut donner ce parfum. Oh, Dieu est bon. Dieu nous fait du bien. Les gens, ils pouvaient penser que tu étais cassé, brisé. Oh, on va voir. Non. Si l'esprit est derrière, non, il n'y a pas de problème. L'esprit, c'est nous mettre dans le calme et l'esprit ferme. Mais vous, à votre tour, ne soyez jamais rancunier. C'est un conseil. Il faut pas être rancunier. Pourquoi? Il faut pas en avoir pensé. Il faut aimer tout le monde. Les gens ne sont pas obligés de penser comme toi. Les gens ne sont pas obligés d'avoir la même vision que toi. Voilà. Mais toi, aime et triomphe par l'amour. Voilà. Et laisse Dieu faire. Où est le problème? Je n'ai de compte à régler avec personne, moi. Si quelqu'un... Ça, c'est son problème. Je n'ai pas de compte à régler avec personne. C'est avec moi et mon Dieu. Ah, les gars, je m'en moque, moi. Non, moi et mon Dieu, c'est tout. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et comme ça, tu seras épanoui. Parce que à force de remplir nos âmes avec des pensées, avec des choses, on charge notre tête et on ne laisse pas... En fait, parfois tu dis, non, mais Seigneur, je te laisse la voie. Si je te laisse la porte, tu te laisses rentrer dans mon âme, Seigneur. Il dit, mais non, tu ne me laisses pas rentrer. Puis il dit, mais non, tu ne me laisses pas rentrer. Il dit, Seigneur, mais si, je t'adore, je te loue, je viens dans ta maison. Il dit, non, tu ne me laisses pas rentrer. Pourquoi? Parce que tu charges ton âme de toutes sortes de choses. On a dit que le Saint-Esprit intercède par les soupirs inexprimables. Il vient de notre faiblesse, il vient de nous épauler. Ça, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que justement, tu n'arrives pas à gérer. Tu dis, mais oh là là, là, je n'arrive toujours pas à comprendre. Mais comment c'est? Je dis, mais attends, moi j'intercède par les soupirs inexprimables et je connais. Donc, fais-moi confiance et je t'expliquerai. Je te révélerai les choses cachées.
tu comprendras le cœur des humains et tu seras pardonné. Oh, alléluia. Dieu est bon, mais Dieu est magnifique. Sortons des carcans de la région. Sortons des simagris, des machins. Sortons. Quelqu'un vous appelle pour vous. Vous vous remplissez les oreilles, dites n'importe quoi. Tu dis, bon, frère, écoute. Sache que Jésus-Christ est vivant et que Jésus peut changer ma vie. Toutes les pensées, tout ce que Jésus peut le faire. Et dorénavant, quand tu m'appelles pour me remplir les oreilles, j'ai envie que tu comprennes que Jésus-Christ peut tout pour toi. Voilà, c'est tout. Parfois, Dieu peut vous pousser à prendre des mesures drastiques comme ça avec les gens. Pour les plus, il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il m'a fait ça? Mais ça m'a choqué. On a entendu parler de Jésus. Jésus veut sauver au travers de toi. Donc profite-en. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Le bon parfum de Christ. Il faut en profiter. Alléluia. Il faut en profiter. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Il est bon, le Seigneur. Il est bon, le Seigneur est merveilleux. Oh, faut pas s'inquiéter pour rien. Faut pas s'inquiéter. Il faut arrêter de s'inquiéter. Tu sais, plus on s'inquiète, plus on s'inquiète. Le problème, c'est que plus on s'inquiète, on va attirer. C'est que vous appelez, les gens appellent ça mauvaise onde. Mais c'est sérieux. Vous allez, on sait que c'est pas des ondes. On sait que c'est pas les ondes des GSM, c'est pas les ondes des PDA, des iPhones. C'est des esprits. Là. Tu vas les attirer. Ou bien quand ils sont malades, au lieu de se battre, il commence à baisser les bras, mais tu attires un esprit de mort. Il y a quelqu'un qui me donne un témoignage sur TF1 en disant quand son mari était mort, le cancer, je ne sais pas quoi, et il disait on le poussait à se battre, mais il a laissé, on a vu qu'il avait abandonné le combat. Qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça? Peut-être que ce n'était pas son goût, c'est qu'il a attiré l'esprit de mort dans sa vie. Il y en a parfois même dans le monde qui sont de ça. Bon, après ça, c'est le mort, ils font chimio, ils font tout ce qu'ils veulent, mais ils s'en sortent parce qu'ils veulent combattre. Il y a des médecins qui disent ce malade nous a aidé parce qu'il s'est battu. Il y a des médecins qui donnent ce témoignage. Le malade nous a aidé, il s'est battu. Donc, il faut se battre. Il faut se battre. On doit se battre. Tu crois que parfois, moi, des pensées aussi négatives ne m'assaillent pas? Mais non, mais en Christ, on dit non. Et en deux secondes, ça part. Parce que tu sais que Christ est vivant. Parce que tu as compris que Christ est au-dessus de toutes les choses. Il dit, je tiens tout sous ma main. Alléluia. Je tiens tout sous ma main. Tout sous ma main. Tout sous ma main. Je tiens tout sous ma main. Tout. Qui croit que le Saint-Esprit peut intercéder par les soupirs d'inscrits à Banon? Qui croit ça? Hein? Qui croit? Dieu est capable de le faire. Dieu est grand. Hein? Hein, ma sister? Amen. C'est que. Quand on dit le Seigneur le fait, amen, comment on dit ça? Je te dis ça. C'est le Seigneur qui connaît nos cœurs, c'est impressionnant. Hein? Mais je vous assure, maintenant je vous parle cœur à cœur. Mettons-nous, le Seigneur vous met des défis devant. Je vous dis, j'aime les membres de ma famille. J'aime tous. J'aime ma soeur, j'aime ceci, j'aime tout ça. Mais vous devez être déterminé. Pourquoi? Pour leur donner une chance aux membres de vos familles de s'accrocher. C'est ça, être ferme. Vous allez transformer les gens par votre fermeté. Il ne faut pas y avoir le sens. Même ça, tu sais, c'est ça, il faut ça qu'on doit savoir faire. Je suis désolé, si vous résistez, vous êtes fort. Parfois, tu ne sais même pas que tu peux être là, une femme, tu es là, tu baisses les bras. Ton mari, même, il est prêt parfois de baisser les bras complètement. Hein? Et c'est toi qui es le chandelier. Donc, tu dois te battre pour donner une chance à ton époux de retrouver sa flamme. C'est tout. C'est comme ça. Ah oui? Parfois, quand on dit aux gens, parfois parler comme si on dit, oui, moi, mais si on aime, mais on a l'amour. Mais c'est qu'on a compris que aller dans le sens des gens, quand ils sont défaitistes, quand ils ont envie de craquer, on a compris que ça ne va pas les sortir de la situation. On a compris que pour qu'ils s'en sortent, il faut qu'on leur dise,
Arrêtez, sortez de là. D'accord, c'est bien quand quelqu'un t'expose ses problèmes. Mais c'est aussi bien quand la personne... Il faut aussi savoir dire aux gens, non, tais-toi, j'ai compris. Maintenant, laisse-moi te parler un petit peu de Jésus, voilà. Mais si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous bénit, Dieu vous fortifie, Dieu vous donne de vous en sortir, non, quand même, là. Non, mais amen ou pas amen? Non, mais c'est quoi? Mais voilà. Donc, si c'est amen, vous n'avez pas laissé les gens avec leurs pensées bizarres, vous retournez le cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, c'est non, pas question. Il faut montrer aux gens que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est plus grand qu'eux. Qu'ils soient pasteurs, ou diacres, ou pasteurs, prophètes ou pas prophètes, on s'en moque complètement. Quand tu es bas, tu dois te dire non, lève-toi, Christ est Seigneur. C'est pas parce que tu as connu quelqu'un prophète, ou diacre, ou pasteur, s'il est faible aujourd'hui. Toi, tu dois parler dans son sens. Toi, tu dois le reprendre. C'est parce que lui, avant le passé, te donnait des prophéties. On s'en va. Pour le moment, tu as dit, lève-toi, c'est moi qui te dis. C'est comme ça que ça se passe là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je peux vivre sans prophétie, je m'en manque de ça, moi. Pas parce que tu avais ça, que je vais commencer à te glorifier. Non! Tu es pas, lève-toi, mets-toi debout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Laissez personne vous impressionner. La personne, pour le moment, en a besoin. Que ce soit prophète, pasteur, on s'en manque, bishop, on s'en manque de tout ça. Archibishop, post-bishop, on s'en manque. Pour le moment, ton cœur, il est faible. Tu dois, révérend, machin, général, on s'en tape de ça. Pour le moment, tu es faible, on doit t'exhorter. C'est comme ça que ça se passe. On va prier pour toi. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais bien sûr, oh, c'est comme ça que ça se passe. Révérend, machin, archibishop, on s'en manque de ça. Pour le moment, tu dois t'en sortir là. Oh, il t'exhortait hier, mais il est faible, et bien toi tu l'exhortes, voilà. Oh, mais est-ce qu'on comprend ça un peu ou pas? Et tu penses qu'on n'a pas l'amour si on aime? Et si on voit ce genre de personnes de garde devant nous, on va leur dire les quatre vérités. Il faut vous lever un petit peu, il faut arrêter. T'écoutes, d'accord. Mais si, moi aussi, mais tu me prends moi comme un psychologue, et bien assieds-toi sur le canapé le dimanche, et bien écoute ce que j'ai à te dire maintenant. On les allait à Paris donner 200, 400 pour faire des séances bizarres, ou après les gens te disent j'ai plus de problème que vous. Et après ils se suicident. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais non, ça, c'est la meilleure psychiatrie, ça. C'est la meilleure psychiatrie. Pas besoin de prendre qui te met des comprimés bizarres pour te faire changer tes pensées. Un comprimé ne purifie pas les pensées, c'est pas vrai. C'est la parole de Dieu qui nettoie l'âme, le cerveau, le cervelet. Il n'y a que ça. Ah ben oui, qu'est-ce que tu crois? Oh, le Saint-Esprit en toi gouverne dans ton cœur, change tes pensées et te transforme complètement et tu te sens heureux. C'est possible. La vie, j'aimerais te dire que si hier, dans ton passé, tu as été détruit, cassé, j'aimerais te dire, s'il te plaît, que c'est possible de t'en sortir, d'avoir la résurrection en Christ. C'est possible, ça. Je suis là pour te le dire, c'est possible. Alléluia. Mais oui. Moi, je vais te tirer vers le haut, je t'emmènerai vers le haut. Ça, si tu as envie de rester en bas, c'est ton problème, mais tu y resteras seul. Parce que tu dois tirer vers le haut, parce que Dieu veut faire de toi. Voilà. Le cœur de feu. Et ça, c'est mon travail. Si tu es devant moi, c'est parce que Dieu veut faire ça pour toi. Et tu vas voir. Accroche-toi simplement sur la parole, tu verras. Il n'y a rien de magique, ce n'est pas mystique là. Non, c'est quoi la parole de Dieu? Quoi? Dieu peut changer, je dis bien ton passé, il peut le changer, il peut le modifier, il peut changer les paramètres. Toi, sors des sentiments. Tu diras le Seigneur, sors des sentiments. Et regarde à Dieu. Et regarde sa lumière, sa splendeur briller pour toi. Regarde-la briller. Regarde-la comme elle brille. Le Seigneur est beau, il est merveilleux. Tu dois dire non au commérage. Tu dois dire non quand les gens veulent t'entraîner. Parfois, les gens ont envie de faire des efforts. Mais les gens sont là pour les casser la tête. Leur rappeler des choses. Leur rappeler que hier. On s'en manque de rappeler. Tu dis non. Maintenant, c'est maintenant. Dieu est le Dieu de nouveauté. Chaque jour suffira sa peine. Je suis dans un nouveau jour. Je veux voir autre chose dans ma vie. Je n'ai plus envie. Ah là, les gars, si vous venez m'embêter chez moi, je vous vire. Vous sortez de ma maison.
La maison n'est pas une maison d'épisode chrétien à 2 francs. Non, à 2 sous. Non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Des fous spirituels, ils vont se lever. Tu veux, tu vas voir. Non, non, il faut quand même. Oh, regarde. Romains 12, 1. Le Seigneur, mais bien sûr, Romains 12, 1. On va avancer. Le Seigneur va faire de belles choses. On va avancer. Que son nom soit béni. 12, 1. Merci, Seigneur. On sent. 12, 1. L'ennemi n'est pas content. C'est pour ça qu'il te donne de ressentir des points, des choses. C'est pas grave, pas grave. Là, on y arrivera. Moi, je veux que tu sois forte, que tu arrives. Je veux que ce que tu as toujours espéré dans ta vie, ce que tu as rêvé quand tu te donnais à Christ, je veux que tu vives cette chose. Je le veux au nom de Jésus. Et je vais t'y aider à y arriver. Et si tu ne veux pas, je vais te tuer à chaque fois. Et si tu ne m'aimes pas, eh bien, tant pis pour toi. Voilà. Ça, c'est mon travail, ça. Il n'est pas autrement. Non, non. C'est pas grave. Mais Jésus m'aime, c'est bon. C'est nécessaire. Je sais que comme tu aimes la parole de Dieu, tu vas créer des changements, des profondeurs dans ta vie et tu seras contente. Bien sûr, tu seras heureux. Romains 12, 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre culte, ce sera de votre part un culte raisonnable. S'offrir à Dieu, c'est ça un culte raisonnable. L'Église a besoin, certes, d'avancer pour la vision, tout ça. En fait, si tu veux, avant de donner ton offrande ou tout ce que tu veux, toutes ces choses-là, c'est t'offrir d'abord toi. Il faut t'offrir d'abord toi en sacrifice. Et en t'offrant, c'est ça le problème des gens, c'est que, écoute, on a vu, on verra, on aura le temps de dire ça aujourd'hui. On s'est dit, pourquoi il y a des gens, donnez, vous serez bénis. C'est ça qu'on dit. Certains, tu entends, ils disent ça. Donnez, vous serez bénis. Mais le problème, c'est que parfois, tu vas donner et tu dis, mais je ne comprends pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que tu ne seras pas béni. En donnant, Dieu bénira le fruit de ton travail. Pourquoi? Parce que tu auras une disposition comme Dieu veut que tu sois. Tu verras ça. Regarde, on a vu hier, c'était dans 39. On l'a vu la semaine dernière. Parce que tu vas chercher l'Éternel. Oh, mais je désire tellement que tu puisses rentrer dans ta destinée. Mais bien sûr, qu'on rentre ensemble, qu'on mette le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je désire ça pour toi. Il faut que l'œuvre avance. Mais je veux pas, moi je ne suis pas là, je ne veux pas te scroquer ou te couillonner. Je veux te faire comprendre comment ça marche. Comment ça marche d'abord? Dieu veut d'abord que tu donnes de ton cœur. Après, parce que tu as compris la vision, tu offres. Écoutez, il y a parfois des gens, écoutez, il faut comprendre, comprenons. Aujourd'hui, on a, même si on a appris ça, il faut comprendre aujourd'hui. Quel est le plus grand dû que tu dois à Dieu? C'est une question que je vous pose. Tu verras que tu vas commencer à prier autrement dans ce que tu dis. C'est quoi le plus grand dû? Tu vois, j'aurais pu te la faire autrement. En plus, je dis, moi, c'est moi qui suis devant, il faut que tu me... Non, mais il faut, je veux que tu grandisses avant, que tu comprennes ça avant les autres choses qui sont à côté. Il faut que tu comprennes. C'est quoi le plus grand? Qu'est-ce que tu dois à Dieu? C'est l'argent? C'est une question. Bon. C'est quoi? On a lu le sacrifice, ton être. Juste pour vous expliquer que ce que Dieu vous met à cœur. Et c'est vrai qu'on mentirait les gens en disant que c'est bien, on prêche, on a les dons, on prophétise, on y a les prières en langue, la prière. Mais c'est vrai que si on ne paye pas aussi quelque chose, on n'a rien aussi. Ah ben oui, quelle que soit l'église, il faut payer. Ben non, mais pour le local, tu vois, des choses comme ça, tu vois. C'est les vérités, tu vois. Ben voilà, c'est pas le prière en langue qui paye, tu vois. On va pas aller devant le monsieur l'auteur, on va faire coller à Bakanda, Kala Soukoulo, Kanda Kayama Soukoulo. Et puis voilà, c'est payé, voilà. Dimanche, vous savez, quand il y a comme ça, 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 quand il y a comme ça
c'est ce qu'il veut pour ton cœur. Il veut ta louange d'abord. Si tu prends, tu arrives. Il faut. Écoute, je suis conduit quelque part. Je suis conduit quelque part. Je vais plus dire. Tu dois me garder les poches. Mais je ne comprends pas. Donne-moi. Moi, je ne vis pas de ça. Donne-moi. Garde-moi les poches. Non, je t'amène à vouloir rentrer dans l'amour de Dieu pour comprendre comment donner au Seigneur. Puisque je peux dire que je suis un lévite, je dois manger sur le terre comme j'entends partout. Donc, donne-moi manger. Voilà. Mais non, oh, je te dis, comprends. Tu dois comprendre pour la mission pour eux. Mais voilà, mais chacun après s'occupe de ce qu'il a fait. Est-ce qu'on est clair? Est-ce que je suis clair dedans? C'est tout. Jusque là, je suis clair. Voilà. Les choses sont claires. Voilà. C'est pour ça, c'est pour eux. Après, c'est les gens qui souffrent. Il y a des veuves, des machins. On le sait. Ça, parce que le Seigneur dit si vous avez des biens du monde et qu'il y a un indigent parmi vous qui souffre, pour qui vous demandez quelque chose, si l'église a, l'église contribuera. Amen, jusque là. Voilà, c'est comme ça. Là, on montre la charité de Dieu. Demain, on a l'espoir de pouvoir donner à des enfants qui sont dans le monde entier, créer des orphelins. Bon, pas forcément des orphelins, faire des œuvres caritatives. C'est ce projet qu'on a. Mais comment on le fait? Avec le prix en main? Ah ben non. On prie en main, on prie, on prophétise pour donner la force. Mais Dieu m'a dit, je bénirai le travail de tes mains. C'est-à-dire que ça peut s'appeler fonction, ça peut s'appeler reconnaissance de ton travail, des choses comme ça. C'est des choses, c'est Dieu fera ses affaires avec toi. Et en retour, puisque tu aimes Dieu, tu dis Seigneur. Moi, je veux que. J'ai un exemple. Moi, quand je vais aux Antilles, parfois, ou dans le pays, qu'est-ce qu'on a fait? Même quand on était au Canada, tout ça. Je sais, dans le lieu où j'étais, je contribuais. Mais on donnait un petit $10. Mais oui, quand ils donnaient un petit machin. Moi, j'appelle pas ça, j'appelle ça offrande, moi, par la volontaire, si tu veux. C'est comme ça que j'appelle ça. Il y avait, j'en ai, nous, on a mis, on n'a pas dit. Tu vois mon point, il disait. Afin que, parce que tu me donnes à moi, tu as toujours pour d'autres œuvres, pour machin. Quand on est aux Antilles, quand ils donnent le panier, nous on pose, je ne dis pas. On pose et je ne dis pas. Il y a pas non, je sais d'où je viens, je contribue. Mais partout où on était, on allait au Canada, on posait, voilà. Parce que je considère que c'est une œuvre de Dieu. Et honnêtement, je souhaite. Et personne ne fermera pièce église, pièce ici, pièce locale. Parce que l'œuvre de Dieu continuera parce qu'il y a des âmes à sauver. Et parce qu'il y a des âmes à sauver, les âmes doivent avancer. Nous, c'est comme ça qu'on faisait. On arrive, on visite une église. Quand on est en vacances, ben on pose, ils envoient leur truc. On dit ça va, mais on a pas bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Un petit quelque chose, on pose, voilà. Puis le Seigneur fait. Comme ça qu'il faisait. Comme ça qu'on fait. On ne faut pas être sectaire, là. Tu vois, je ne te dis pas de concentrer tout ton argent ici, non. Ce que Dieu peut permettre pour faire avancer l'œuvre et tout ça, parce qu'on en a besoin. Mais s'il a une bonne œuvre et tout ça, tu peux. Parfois, il y a des gens qui sont dans la rue, puis au monde, je peux donner un euro, tu vois. Il te dit, il te donnera toujours pour continuer toute votre œuvre. Voilà, pour la simplifier la chose. Mais tu arrives, tu vas dire, dis mon frère, ce que nous te devons, Seigneur, tu vas là-bas, tu vas prier. Mais tu sais que parfois, toi, tu peux ne pas être OK aussi avec ça. Il dit, mais tu es en train de te condamner, mon enfant. Et je ne te condamne pas. Je te dis juste que fais avec amour. Donc tu dis, au fond volontaire, tu dis ceux qui vont à cœur et tout ça pour faire avancer l'œuvre. Fini, terminé. Faut pas se verrouiller la tête avec des choses parce que tu as pris comme ça, tu continues comme ça. Il faut comprendre simplement ce que Dieu te veut pour toi. Et tu verras. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres, quand ils avaient compris ça, les gars, ils n'avaient pas. Ils disent Dieu m'a tellement aimé. Je vends mon terrain. Ça, c'était eux. Tu vois, c'était pas une question de 10%. C'était lui et Dieu. Et si on commence à lister toutes les dîmes de l'Ancien Testament, tu verras que c'était carrément 23%. Tu vois? Donc il faut fouiller un peu, il faut lire pour comprendre. Mais une église forte où les gens aiment Dieu, les gens sont ivres de Dieu, les gens sont enivrés de Dieu, les gens sont adorateurs de Dieu. Voilà ce qu'on veut. Et parce que l'Esprit de Dieu a inondé leur cœur, ils aiment leur Dieu, ils font pour leur Dieu. C'est ça qu'on veut. Et ils savent qu'en retour, ce n'est pas le pasteur qui les bénira, qui rappelle, soit des années de prière spéciale, sortez les billets, 10 euros vont devenir 100 euros. Non. Non, comme on a vu, on dit aux gens, non mais attendez, il faut comprendre ça, mais il y a des choses qui parlent. On doit vous dire, tu aimes Dieu, tu crois que Dieu ne t'abandonnera pas, tu crois que Dieu ne te permettra pas, même si tu es au chômage, il te permettra de trouver un travail, il va, tu crois tout ça, eh bien fais selon la foi. Voilà. Et c'est toi et ta foi avec ton Dieu. Et si tu fais comme ça, je te promets, Dieu te bénira. Mais ne fais pas comme ça parce que tu te dis, il faut que l'Église me voie. J'ai fait tellement une épreuve de foi. Non, l'Église ne peut rien pour toi, Christ peut pour toi. Jésus peut. Je veux que tu aies cette connexion entre Dieu et tu le comprennes.
tu verras, s'il te plaît. Tu vas voir, Dieu te fera grandir. Dieu te propulsera. Amen. Alléluia.